Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux pour cette petite conférence à la Castle Geek 2023. Il reste encore des places, n'hésitez pas. Donc aujourd'hui, on va parler d'une console mythique qui est sortie en 1989 au Japon, en avril, le 21 pour être précis, et qui s'appelle la Game Boy. Alors, il y a toujours le débat, bien sûr, le ou la Game Boy. Ça, c'est une question qui revient sans arrêt. La réponse est simple. On a mené notre enquête. Il s'avère que les deux sont possibles. Eh oui, c'est une machine. Tu disais qu'il avait un pénis. Non, non. Elle est hermaphrodite. Et donc, on peut dire aussi bien le et la Game Boy. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, Nintendo a effectivement choisi le masculin lorsqu'ils ont fait leur communiqué de presse. Sauf que les utilisateurs, eux, ils se sont dit, bah attendez, c'est une console. Et de façon totalement naturelle, ils ont dit, c'est la console Game Boy. Et il s'avère que, voilà, les deux sont possibles. Pourquoi ? Parce qu'en français, il y a une règle très importante qui s'appelle l'ellipse et qui prévaut sur toutes les marques. C'est-à-dire que quand vous dites, tiens, j'ai acheté une Peugeot, vous achetez pas une Peugeot. La Peugeot, ça n'existe pas, c'est une marque. Mais vous achetez une voiture Peugeot. C'est ce qu'on appelle une ellipse. Eh bien, c'est la même chose pour la Game Boy. Quand vous dites « j'ai acheté une Game Boy », bon, bah, vous avez acheté une console Game Boy. C'est sous-entendu. Et donc, ça, c'est une règle de grammaire et qui, évidemment, vaut tout aussi bien que les noms déposés à l'INPI par Nintendo, bien entendu. Donc, les deux sont possibles. Et puis, Nintendo aussi, quand on leur demande, ils disent bah, « les deux, vous faites ce que vous voulez ». Voilà, donc pas besoin de... Wow, il y a un énorme bourdon qui vient assister à la conférence Game Boy. Merci à elle. Alors... Pour rapidement me présenter, je m'appelle Florent Gorge et je suis traducteur-interprète à l'origine, japonais-français, donc j'ai traduit beaucoup de mangas. Si vous êtes gamer, ce dont je ne doute pas, j'ai été en charge des mangas Mario, Zelda, Splatoon, enfin voilà, tous les mangas Nintendo. J'ai la chance de pouvoir m'en occuper. Et puis j'ai aussi monté des maisons d'édition comme Pixel Love il y a plus de 15 ans et puis plus récemment Omake Books. Et rédiger un certain nombre d'ouvrages, notamment l'histoire de Nintendo, etc. etc. Voilà. Et pour cette histoire de la Game Boy, donc j'espère, elle a déjà été donnée, peut-être qu'elle est disponible sur le net aussi, j'en sais rien, mais en tout cas, j'espère vous apprendre quelques anecdotes intéressantes aujourd'hui, parce que vous allez voir que la Game Boy a une histoire incroyable. Pendant longtemps, on a cru la connaître. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un bouquin que j'ai traduit il y a très longtemps, qui s'appelle « La biographie officielle de Gunpei Yokoi ». Peut-être parmi vous, certains l'ont lu. Elle est sortie chez Pix & Love il y a très longtemps. Et Gunpei Yokoi, on va en parler régulièrement au cours de cette conférence, c'est le père de la Game Boy. Et il a, avant sa mort, puisqu'il est malheureusement décédé en 1997, rédigé son autobiographie dans laquelle il racontait plein d'anecdotes rigolotes sur la façon dont la Game Boy avait été conçue. Et pendant longtemps, ça a été la source principale des historiens du jeu vidéo. Et dont moi aussi, bien entendu. Sauf que j'ai voulu mener beaucoup plus loin l'enquête sur l'histoire de la Game Boy. Et au cours de mes années de recherche, j'ai eu la chance de vivre assez longtemps au Japon. J'ai profité de tout mon temps libre pour aller à la rencontre des anciens créateurs de Nintendo. Et ces créateurs de Nintendo... alors attendez, je vais essayer de descendre aussi un petit peu, vous donner des visuels un petit peu différents. Quand je leur parlais de la Game Boy, je leur demandais de me raconter leurs souvenirs. Ils m'ont tous dit, la biographie de Gunpei Yokoi, elle est très intéressante, hein, mais il faut s'en méfier parce que c'est sa vision de l'histoire. Et il y raconte son histoire à lui, mais nous, en réalité, on n'a pas du tout vécu cette histoire de développement de la Game Boy de la même manière que lui. Et donc, je leur ai dit, bah, c'est cool, vous allez pouvoir peut-être m'apprendre des choses intéressantes qui n'étaient pas dans cette biographie. Ils m'ont dit, bah, écoutez, on va voir. Voilà. Et effectivement... Ce qu'ils m'ont révélé a été tellement incroyable, en fait, que ça a remis en question énormément les acquis qu'on avait sur cette histoire de la Game Boy. Donc, je vais vous révéler un certain nombre de ces anecdotes, et bien entendu, aujourd'hui. Et pour commencer, je voudrais que vous reteniez trois noms très importants. Ce sont ces trois personnes-là. Alors, Gunpei Yokoi, on en parlait déjà. Lui, c'est le directeur de la recherche et développement numéro 1 de Nintendo, qu'on appelle la RND1. Donc c'est quelqu'un d'hyper important dans l'histoire de Nintendo. Il est arrivé dans les années 60 et c'est un peu grâce à lui que Nintendo a survécu à de nombreuses crises. Il a créé beaucoup de jouets, de jeux, etc. qui ont sauvé Nintendo.
Et il a créé les Game & Watch, entre autres. Donc, c'est quand même pas rien. Malheureusement, il est décédé en 1997. Il y a aussi donc Monsieur Satoru Okada, qui lui est arrivé un petit peu plus tard. Et ça va être le bras droit de Gunpei Yokoi pendant très longtemps. Et il va être donc au sein de la R&D 1, un des ingénieurs phares. Donc lui, je l'ai rencontré de très nombreuses fois. J'ai publié pas mal d'interviews de lui dans la presse française depuis des années. Et vous allez voir qu'il a son rôle dans l'histoire de la Game Boy qui est très important. Et une dernière personne que j'ai aussi eu la chance de rencontrer à de nombreuses reprises, c'est monsieur Taki, monsieur Yoshihiro Taki, et qui était ingénieur et lui qui était plutôt en charge des écrans de la Game Boy. Donc des trois personnes très importantes au sein de Nintendo. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet et on va très vite se rendre compte que l'histoire de la Game Boy, c'est vraiment une histoire de conflit. Il y a eu depuis le début en fait, des origines du concept même de la Game Boy, on va se rendre compte que c'est des guerres intestines assez incroyables dont on se doute assez peu, nous, quand on est joueurs. Et on se dit, la Game Boy, voilà, c'est quand même une machine qui est très sympa. Elle s'est faite dans la joie et la bonne humeur, absolument pas. Et dès le début, dès les premières réunions pour le concept, il va y avoir de gros conflits en interne. Et il va y avoir notamment deux visions qui vont s'opposer complètement sur ce que doit devenir la Game Boy. Et on va voir M. Yokoi et M. Okada qui vont se bastonner pendant très longtemps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est assez simple, en fait. M. Gunpei Yokoi, lui, il a une vision très différente. Il a une envie, c'est lui le directeur de la division, mais il a une envie assez spécifique sur ce que doit devenir le Game Boy, qui va être très différente de celle de M. Okada. Alors, j'ai demandé à M. Okada, mais nous, la Game Boy, qu'on la connaît, c'est quelle vision? En fait, c'est ma vision à moi. M. Yokoi, il voulait quelque chose de très différent de ce que va devenir la Game Boy. Alors, je lui ai dit, bon, bah, très bien, expliquez-moi quelles sont les différences notoires qui vont scinder votre vision à vous et celle de M. Yokoi. La première chose qu'il m'a dit, vous savez, à la base, la Game Boy devait être une extension directe des Game & Watch. Donc les Game & Watch, hein, je ne vous ferai pas forcément l'affront, mais malgré tout, je vais être obligé d'expliquer un peu, mais ce sont des jeux électroniques à écran cristaux liquides, il y a un jeu par machine. Les graphismes à l'intérieur, on va dire, de la machine sont prédéfinis hein, par les écrans cristaux liquides. En gros, c'est des écrans de calculette. Et M. Yokoi, lui, il voulait une extension directe, c'est-à-dire des Game & Watch un petit peu plus évolués. Et il voulait une machine qui soit, comme les Game & Watch, un truc saisonnier. Voyez, toutes les saisons, les Nintendo proposaient des Game & Watch de plus en plus évolués. Au début, c'était un tout petit écran. Après, l'écran était plus gros. Après, il y a eu deux écrans. Après, il y a eu des écrans un peu en couleur. Mais ça restait toujours le même jeu figé. Et là, pour cette nouvelle extension, ils voulaient quelque chose d'un peu plus évolué, mais malgré tout, qui allait durer une saison ou deux maximum. Et en réalité, il me dit, si la Game Boy telle que M. Yokoi l'envisageait était sortie, on aurait eu l'équivalent de la Microvision. Alors la Microvision, vous la connaissez peut-être, c'est cette machine. C'est la première console portable de l'histoire à cartouche interchangeable. Et c'est MB, Milton Bradley, qui l'a sorti en 1978, si j'ai bonne mémoire. Et le truc, c'est que c'est vraiment une machine low cost. C'était génial pour l'époque. Hein. Mais l'écran, pour rappel, c'est un écran dot matrix avec des pixels, mais il fait 16 sur 16. Donc en gros, quand vous avez un écran qui fait 16 pixels sur 16 pixels, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et ceux qui ont déjà joué à la rétrovision le savent, mais en gros, c'est des briques, quoi. C'est des jeux de casse-briques, c'est des shoot'em up très très rudimentaires parce que graphiquement, on ne peut rien faire de vraiment convaincant. Donc c'est des cubes et c'est des petites boules. Enfin bref, c'est très très rudimentaire. Et M. Okada, lui, il a une autre vision, mais qui est philosophiquement très différente. Lui, il veut une Famicom portable. En gros, il veut vraiment la Famicom. On est en 87, là, au moment où je vous parle. La Famicom, elle cartonne du feu de Dieu au Japon et même en Occident, maintenant. Et il voudrait avoir l'équivalent, mais en mode portable. Et ça, c'est très important d'un point de vue de la philosophie, parce qu'en termes de développement, c'est beaucoup plus compliqué. Et surtout, il veut éviter de reproduire les mêmes erreurs que la Famicom. La Famicom, dans son début de carrière, a eu beaucoup de problèmes, notamment avec les éditeurs tiers. C'est-à-dire que la Famicom, quand Nintendo l'a sortie, il ne savait absolument pas si elle allait remporter le succès qu'il a connu. Et surtout, M. Yamauchi, le président de Nintendo, n'avait été à des années-lumière de se dire « les éditeurs tiers vont vouloir développer chez nous ».
pour Nintendo, c'était une console c'était une console Nintendo, il y aurait que des jeux Nintendo et basta. Et la console devait durer 2-3 ans, pas plus. C'était ça les ambitions de Nintendo. Sauf que la console a tellement bien marché qu'il y a Namco, Taito, Hudson, ils ont tous voulu sortir des cartouches sur la Famicom, sauf que la Famicom n'était pas faite pour ça. Il n'y avait pas de contrat de licensing, il n'y avait aucun dev kit à distribuer aux éditeurs tiers. Donc pendant des mois et des mois, ça a été une vraie galère pour la R&D 2 pour proposer du matos pour que les gens développent sur la Famicom. Et donc, ça a été compliqué pour Nintendo de faire cette transition, une machine qu'on n'utilise qu'en interne, à une machine qu'on va proposer à tout le monde avec un système de licence, de distribution pour tout le monde. C'était une galère. Et donc, M. Okada, lui, il veut vraiment éviter ça. Il se dit, notre machine, on doit l'avoir sur le long terme. C'est-à-dire qu'on doit avoir des jeux qui seront profonds. On veut pas des petits casse-briques et puis l'année prochaine, on changera complètement de truc. Et quand la console sortira, on doit être capable, en mesure déjà, d'accueillir des éditeurs tiers, qu'il y ait des dev kits qui soient prêts, des manuels qui soient prêts, le système de licensing soit prêt, la distribution soit opérationnelle. Donc ça demande du temps. Et ça, c'est vraiment une vision opposée. Et pour ça, en réalité, il va y avoir vraiment une guerre intestine entre les deux. Sauf qu'au bout d'un moment, M. Okada va tellement insister auprès de M. Yokoi qu'au cours d'une réunion, il va y avoir une grosse engueulade, parce qu'il y en aura eu beaucoup. Hein. Et à un moment, M. Yokoi va en avoir marre. Il va dire, écoute, tu me casses les burnes, c'est bon, tu fais ce que tu veux avec la Game Boy, moi je ne veux plus en entendre parler. Donc en gros, M. Okada, il dit, mais alors vous me laissez la responsabilité de la Game Boy. Et M. Yokoi lui dit, ouais, ok, je te laisse la responsabilité, tu fais ce que tu veux, moi je suis chef de division, donc je tamponne, mais fais comme tu veux, fais comme tu le sens. À partir de là, c'est vraiment la vision d'Okada qui va se développer pour la Game Boy telle qu'on la connaît. Donc ça change énormément de choses, en fait, dans l'histoire qu'on avait, nous, de la Game Boy. Pourquoi ? Parce que dans tous les livres d'histoire qu'on a écrits jusqu'à présent, bah c'est Yokoi qui était responsable, c'est lui qui faisait tout, il signait tout. Alors qu'en réalité, il y avait des gens dans l'ombre qui se sont battus pour imposer leur concept. Voilà. Maintenant, il y a des choses qui sont très intéressantes d'un point de vue du développement de la Game Boy. C'est M. Okada voulait une Famicom portable. D'accord ? Et donc, logiquement, il se dit, il nous faut le même processeur que la Famicom. Sauf que là encore, il y a des choses qui sont extrêmement importante, mais et dont on n'a pas vraiment conscience, on en parlait tout à l'heure, mais la R&D 2 et la R&D 1 se font la guerre depuis des années, ils ne s'entendent absolument pas et ils se tirent la bourre sans arrêt. Ça paraît bizarre, hein, mais en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que la R&D 2 qui a développé la Famicom, c'est une autre équipe que celle de Yokoi, et ils voient d'un très mauvais œil l'arrivée d'une Famicom portable. Et ils n'en veulent pas, eux, évidemment. Pourquoi ? Parce que le jour où il y a une Famicom portable qui sort, la Famicom va moins se vendre. Et les gens qui vont acheter la Famicom portable, ben, le temps qu'ils vont passer sur leur Famicom portable, ils l'utiliseront plus sur leur machine à eux. Donc ça paraît totalement bizarre, parce qu'on se dit, oui, mais c'est Nintendo, ils sont tous ensemble. Non, pas du tout. Parce qu'en réalité, en interne, il y a des intérêts. C'est-à-dire que si ta machine elle se vend, à la fin de l'année, tu as plus de bonus. Enfin, vous voyez, c'est très complexe en réalité, les rivalités internes. Et M. Yamauchi, le président de Nintendo, lui, c'est quelqu'un qui sait très bien mettre en concurrence toutes ces divisions et ils sont tous en concurrence. Donc, M. Okada, il va déjà se frotter un premier mur qui est le mur de M. Uemura, le créateur de la Famicom. Et en réalité, quand il va dire, écoute, moi j'ai besoin que tu me mettes en relation avec Rico. Rico, c'est celui qui fournit les processeurs de la Famicom. Et là, il y a M. Uemura qui lui dit, non, tu laisses Rico tranquille. Ils ont déjà suffisamment de boulot avec la Famicom. Ils ont déjà du mal à répondre à toute la demande. Tu ne vas pas monopoliser des lignes de production avec ton projet de Famicom, Andy Famicom, ça c'était un des premiers noms de code. Tu fais autre chose, tu vas voir quelqu'un d'autre. Ce qui fait que malheureusement, ils ne vont pas pouvoir reprendre le même processeur qui était une sorte d'exclusivité chez Rico. Ils vont aller voir du côté de chez Sharp pour avoir un autre processeur. Et c'est pour ça qu'on aura finalement assez peu de portages de jeux Famicom sur Game Boy. Ce qui finalement sera peut-être pas forcément un mal. Hein. Et il va donc développer le processeur avec Sharp qui va utiliser un autre processeur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chose intéressante ? Attendez. Oui, un truc assez intéressant. Un truc qui est très intéressant, c'est les origines du nom Game Boy. Alors Game Boy, ça c'est un nom qui m'a toujours...
Depuis que je connais le nom Game Boy, qui m'a toujours intrigué, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'au final, Game Boy, quand vous prenez le nom, les deux noms là, l'un à côté de l'autre, ça veut dire jeu, garçon, en anglais. Ça veut rien dire en réalité. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'English ou du framponnais, si vous connaissez le terme. Et de tout temps, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire du jeu vidéo et que j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui travaillaient sur ces projets-là, j'ai toujours posé des questions. Au fait, le nom Game Boy, ça vient d'où? Qui a eu l'idée? Et très bizarrement, tous les gens que je côtoyais et qui avaient travaillé sur le projet me disaient « Moi, j'ai pas trop de souvenirs, je sais pas trop, je m'en souviens pas. » Je trouvais ça un peu étrange qu'ils s'en souviennent pas. Et il y a une personne qui, par bonheur, s'en souvenait. Et c'était encore une fois Monsieur Okada qui, lui, a pas sa langue dans sa poche. Et il m'a dit « Si, moi, je me souviens très bien du nom Game Boy, de l'origine du nom Game Boy. » Je fais « Ah bon, alors vous allez pouvoir me la dire ?» Il fait « Oui, je m'en souviens bien. » En réalité, on était en brainstorming dans une salle de réunion chez Nintendo. On se posait la question qu'est-ce qu'on va prendre? On avait plein d'idées. Et à un moment, il y avait des magazines sur la table. Il y avait Famicom Tsushin, il y avait Famicom Magazine, Famimaga. Et dans le lot, il y en avait un qui s'appelait Game Boy. Et quelqu'un a dit « Tiens, et qu'est-ce que vous pensez de Game Boy ?»« Ah ouais, c'est pas mal, Game Boy, pourquoi pas ?»« Bon, il faudrait peut-être s'assurer que le nom n'est pas protégé. Est-ce que vous pouvez vous renseigner ?» Il y a quelqu'un qui se renseigne, le nom n'est pas protégé. Alors Game Boy, c'est un magazine de jeux vidéo. Hein. Et là, le nom n'est pas protégé, donc je dis, bah banco, allez, va pour Game Boy, nous on le protège le nom. Et donc ils vont piquer, pour dire les choses assez clairement, le nom Game Boy à ce magazine, un magazine qui parle d'actualité du jeu vidéo. Et donc évidemment, ils vont quand même appeler la rédaction de ce magazine en leur disant, écoutez, on a un projet d'une machine, ça va être une machine portable, accompagner la Famicom dans les boutiques, ça va s'appeler Game Boy. Donc on a acheté le nom, on vous autorise à continuer de l'utiliser dans leur grande générosité, mais en échange promis, ça c'est quand même fou, hein, on va vous prendre des publicités tous les mois dans votre magazine. Et effectivement, si vous regardez le magazine Game Boy qui s'est arrêté au milieu des années 90, en 95, vous avez dans tous les numéros des pubs Nintendo dans le magazine, ce qui n'était pas le cas dans tous les magazines évidemment. Et donc c'est comme ça qu'ils vont récupérer le nom Game Boy. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'on se dit, mais quand même, ce nom Game Boy, on l'avait finalement sous les yeux depuis le début, parce que le magazine existait, moi-même je le connaissais, j'ai des numéros chez moi, et j'avais jamais fait le rapprochement. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je m'étais toujours dit, ce magazine, il a surfé sur le succès de la Game Boy, et il y avait déjà Famicom Magazine, il y avait déjà Famicom Tsushin, donc Famitsu, et tous ces magazines sont arrivés évidemment a posteriori, en surfant sur le succès de la machine pour se vendre. Et je pense que tout le monde croyait que c'était le cas pour ce Game Boy. Alors qu'en réalité, il suffisait de regarder l'histoire de ce magazine pour se rendre compte que Game Boy, ce magazine, est arrivé en 85. C'est-à-dire 4 ans avant l'arrivée de la Game Boy. Donc oui, clairement, l'antécédent est flagrant et ce magazine est arrivé bien avant Game Boy, quoi. Alors ça, c'est le nom Game Boy, ça c'est le nom officiel, bien sûr. Mais avant de s'appeler Game Boy, il a eu un certain nombre de noms de code. Et ces noms de code sont assez intéressants. Est-ce que vous vous souvenez sur l'écran de la Game Boy? Là, on le voit pas malheureusement, mais juste en haut, il y a marqué Dot Matrix Portable Video Game. Et Dot Matrix Game, en fait, c'est DMG. DMG, ça, c'est le nom de code qu'a eu la Game Boy pendant très longtemps. Parce que Nintendo voulait utiliser cette fois-ci un écran Dot Matrix avec des pixels et un affichage matriciel. Et donc, ça a été longtemps au sein de la R&D1. Et même de Nintendo, le nom de code DMG. D'ailleurs, les collectionneurs le savent, connaissent très bien, parce que tous les jeux ont des noms. Hein. DMG01, ça c'est le nom de la Game Boy. DMG02, ça c'est un accessoire. Et puis les jeux ont aussi tous un nom de code qui commence par DMG. Mais la machine, en fait, elle ne faisait absolument pas, l'unanimité au sein de Nintendo. DMG va rapidement être détourné pour être... ridiculisé, on va dire, parce que au sein de la R&D2 et même des autres, on croit tellement peu en ce projet Game Boy que tout le monde va détourner ce nom, cet acronyme DMG, et notamment il va être utilisé pour dire Damage Game. Vous voyez, en gros, si vous sortez la Game Boy, voilà les dommages que ça peut causer. Il y a un autre nom de code qui est assez rigolo, qui est très japonais. En japonais, il y a un nom qui... Il y a un mot qui s'appelle dame. Dame, s'il y en a qui connaissent un peu le japonais, qui veut dire c'est nul, c'est mauvais, c'est naze. Et donc, en gros, DMG, c'est Dame Game, le jeu naze. Et ça, en fait, ça va, ça va
Pourquoi en fait il y a ça? C'est parce qu'en réalité tout le monde se dit déjà là, ça aurait été une famille confortable certes, mais pourquoi un écran noir et blanc quoi? Et rien que ça, ça va au sein de Nintendo, personne n'y croit à part la R&D 1. Tout le monde dit mais pourquoi vous faites un écran noir et blanc alors que vous faites c'est un bond en arrière en réalité. Et Yokoi et les autres leur répondent oui mais c'est une extension des Game & Watch. Ensuite les écrans couleurs coûtent vachement cher. Au niveau de la consommation électrique, c'est n'importe quoi. Un écran LCD en couleur à cette époque, il faut 6 piles et ça dure 2 heures et demie. Et en plus, dès que vous êtes dans une ambiance à l'extérieur, on ne voit plus rien. Honnêtement, les écrans couleurs de cette époque, ceux qu'on connaît se souviennent très bien, mais c'est impossible de jouer dehors, quoi. Il faut être sous un toit, effectivement, et forcément avec pas trop de lumière dessus pour arriver à distinguer les couleurs tellement le rétroéclairage était puissant et mal contrasté. Et donc, Nintendo ne croit absolument pas en cet écran couleur. Ils se disent, pour le moment, c'est trop tôt. Il faut un écran noir et blanc. Donc, c'est pour ça qu'ils choisissent l'écran noir et blanc. Mais tout ça pour dire que, voilà, personne ne croit en la Game Boy. Et voilà. Bon, bref. Maintenant, je vais vous raconter une autre anecdote qui a un contexte qui est assez long, mais la conclusion est complètement dingue. Donc je vous demande d'être attentif, et vous allez voir que de toute façon, bon, ça reste passionnant en tant que tel, mais c'est la conclusion qui est assez marquante. Là, vous voyez le titre, hein, la rivalité entre Sharp et Citizen pour la production d'écran. Dit comme ça, j'avoue, c'est pas forcément ultra sexy, mais c'est une anecdote en fait qui est totalement inédite, qui était totalement inédite dans mon bouquin, et j'étais assez fier. Et elle m'a été racontée par Monsieur Taki. Et cette histoire, il ne l'avait racontée absolument à personne avant. Et ils étaient que une poignée de personnes chez Nintendo à la connaître. Donc là, c'était vraiment un privilège qu'il me faisait. Et je vais vous la raconter en réalité. Mais en fait, pour ces histoires d'écran, c'était le nerf de la guerre en réalité. Hein. Et pour ces histoires d'écran, il y a eu énormément de rebondissements. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand j'ai été rencontrer Monsieur Taki à Kyoto, lorsque je faisais mes recherches sur la Game Boy, c'est que lors de notre premier entretien, il est arrivé, il a sorti de son sac des tas de cahiers. Et c'était ses journaux intimes de développement. C'est-à-dire que lui, au jour le jour, il tenait, tiens, aujourd'hui, on a fait ça, aujourd'hui, on a décidé de ça. Et c'était assez passionnant. Pourquoi? Parce que j'avais la date, le jour de toutes les décisions. Donc si vous regardez mon livre, mon histoire de Nintendo volume 4, que j'ai pas malheureusement avec moi, parce que j'ai tout vendu aujourd'hui, mais vous avez les horaires, enfin pas les horaires, mais vous avez les jours quand le nom Game Boy a été décidé, tout ça. Donc tout ça, c'est consigné, donc c'est des sources sûres. Et il m'a raconté une anecdote, en fait, qui est aussi, pareil, très détaillée, sur cette rivalité. Nintendo, en fait, la R&D1, a beaucoup cherché le bon écran. Et le partenaire traditionnel de Nintendo pour les Game & Watch, c'était Sharp. C'est Sharp qui produisait tous les écrans des Game & Watch. Et donc, logiquement, Nintendo a été voir Sharp en disant voilà notre projet Game Boy, on a besoin d'un écran Dot Matrix, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Donc Sharp a proposé un certain nombre d'écrans et malheureusement rien n'allait. Ça ne leur convenait pas. Trop cher, pas assez puissant, trop de rémanence, trop lent, enfin bref. Il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Et à un moment ils se sont dit bon, s'il faut qu'on avance, peut-être qu'il faudrait aller voir ailleurs. Et donc ils ont fait ce qu'on appelle un appel d'offres et ils ont été demandés à Seiko, à Casio et aussi à Citizen, qui étaient des constructeurs traditionnels d'écrans cristaux liquides au Japon. Et à un moment, ils se sont très bien entendus avec Citizen. Et donc, ils ont trouvé l'écran qui leur convenait plutôt pas mal. Et ils se sont dit, bon, bah, écoutez, l'écran, il est bien, mais bon, on va quand même ça va quand même décevoir Sharp, qui est un acteur traditionnel. On travaille avec eux depuis quasiment 30 ans. On va leur dire, écoutez, on a trouver un bon écran chez un de vos concurrents, voilà les spécificités, voilà le prix qu'ils nous proposent. Est-ce que vous pouvez vous aligner? Et là, il leur laisse une semaine en disant, bon, bah, on vous laisse une semaine pour prendre votre décision. Sharp revient une semaine plus tard en disant, non, on ne peut pas s'aligner, désolé, on ne pourra pas le faire. À partir de là, M. Yokoi va aller voir M. Yamauchi, le président Nintendo, en disant, bon, pour notre écran, pour notre futur Game Boy, on a trouvé un nouveau partenaire, ce ne sera pas Sharp. Ce sera Citizen, voilà les spécificités, voilà les prix. Est-ce que vous validez? Est-ce qu'on peut contacter Citizen pour qu'ils viennent délimiter les contours du contrat? C'est un contrat très important, hein, on parle de millions d'écrans. Hein. Et est-ce que vous validez le concept? Yamauchi dit, ok, faites-les venir,
définissez les contours du contrat et après on signe. Une semaine plus tard, il y a des gens de Citizen qui débarquent de Tokyo jusqu'à Kyoto. Ils se mettent dans une salle de réunion avec Yokoi, avec Okada, et ils délimitent les contours du contrat qui va se faire. Ils sont tous contents. Au bout d'une heure, la réunion est terminée. Ils se disent « Ok, on va rédiger un contrat avec un avocat et on se retrouve la semaine prochaine à Tokyo pour signer le contrat définitif. » Ok, très bien, ils se serrent la main. Et au moment, alors là, ça commence à être extrêmement intéressant. Ça a des anecdotes que moi, j'aurais pas pu imaginer moi-même. Mais c'est digne d'un film. Ceux qui ont vu le film Tetris, je pense que ces anecdotes-là, je pense que Nintendo les aurait pas validées pour le film. Mais quoi qu'il en soit, les gens de Nintendo, donc Yokoi, décident de raccompagner leurs invités de Citizen jusqu'à la porte de Nintendo. Ils sortent dans le couloir et à ce moment précis, il y a une délégation de Sharp qui arrive en sens inverse et qui se dirige avec la secrétaire directement dans le bureau de Yamauchi. Et là, Yokoi, bah, les voit, il les connaît bien entendu. Il leur dit « Bonjour, qu'est-ce que vous faites là ?»« Bon, on a rendez-vous avec Monsieur Yamauchi. »« Ah bon, d'accord. » Lui, il n'est pas au courant en fait. Et il se dit « Mais c'est bizarre parce que en général, les gens ne vont pas voir Yamauchi directement, ils passent par moi. C'est moi l'interlocuteur de Sharp pour toutes les... Voilà, c'est lui le directeur de la division. » Et il ne comprend pas, mais il raccompagne quand même ses autres de Citizen. Les gars de Citizen s'en vont, Yamauchi remonte dans son bureau, et là, il y a le téléphone qui sonne. Yokoi décroche, et la secrétaire dit « Est-ce que vous pourriez descendre ou monter, je ne sais plus, dans le bureau de M. Yamauchi, s'il vous plaît ?» Bon, ok, il descend. Et là, il va y avoir une réunion, en fait, avec Sharp. Et là, en réalité, il y a M. Yamauchi qui va dire « Bon, toute décision prise, tu vas travailler pour ton projet Game Boy, tu vas travailler avec Sharp. » Alors là, Yokoi, il est un peu gêné, il fait « Mais je viens de raccompagner la délégation, c'est trop tard, on s'est déjà mis d'accord, on a le bon écran qu'il nous faut, on s'est mis d'accord sur les conditions du contrat, la semaine prochaine, je dois aller le signer à Tokyo, bah, c'est trop tard. » Et Yamauchi, qui est un empereur, attention, ceux qui ont déjà lu mes biographies le savent, mais pas mes biographies, mais mes bouquins, on ne dit pas non à Yamauchi. Yamauchi, non, c'est Sharp. Donc tu te débrouilles avec Citizen, je m'en fiche, mais c'est Sharp. Bon, très très gêné, très très gênant, bien sûr. Donc là, monsieur Taki, je lui pose la question, je fais, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Fait, je ne sais pas, je vous laisse libre de savoir ce qui s'est passé, ça c'est votre problème. Quoi qu'il en soit, quand M. Yamauchi est remonté dans la salle, il était blême. Et il nous a dit, on va devoir bosser avec Sharp. Donc personne ne comprend. Mais là, c'est branle-bas de combat parce qu'en réalité, ils sont dans une situation qui est très compliquée d'un point de vue du business. C'est quand même des grosses boîtes. Hein. Attention, Citizen, Nintendo, Sharp, on ne parle pas voilà, d'un tout petit business. Et d'un point de vue japonais, ça ne se fait pas non plus. C'est vraiment quelque chose qui est grave dans le business japonais, et même dans le business occidental, j'ai envie de dire, mais dans le business japonais encore plus. Là, ils se disent, mais comment on va sortir de ce pétrin? On ne peut pas décemment leur dire, bah non, désolé, finalement, on a fait tout ça pour rien, mais on va bosser avec Sharp, alors qu'on vous a dit que leurs écrans ne nous allaient même pas, que leurs prix ne nous allaient même pas. Ils sont mal, en réalité. Donc, ils vont devoir annuler le contrat, et ils ne savent pas comment faire. Donc, déjà, première stratégie, Yokoi dit, bon, on va déjà repousser la date de signature, histoire de trouver de quoi rebondir, de quoi noyer le poisson. Donc, Yokoi appelle Sharp en leur disant « Bon, on est désolé, mais le contrat qu'on devait signer la semaine prochaine, est-ce qu'on peut repousser à une date on ne sait pas trop quand, quoi, mais attendez notre signal pour aller plus loin avec vos avocats. » Évidemment, Citizen un petit peu surpris, dit « Oui, bien sûr, pas de souci. » Et pour justifier ça, ils n'ont pas de justification en réalité. Donc, pour arriver à anticiper la fureur que ça va provoquer au sein de Citizen, ils vont mettre au point un plan diabolique qui, moi, me semble évidemment complètement dingue avec le recul. C'est qu'ils vont mentir à Citizen en leur disant « Bon, ben, on va pas pouvoir, on est vraiment désolé, mais on va pas pouvoir travailler sur vous, sur l'histoire de cet écran Game Boy. Mais promis, on revient l'année prochaine avec un autre projet. Vous allez voir, ce sera un écran couleur, ce sera une nouvelle Game Boy avec un écran couleur, etc. » Et ils vont arriver avec ces stratégies-là. Et pour arriver, évidemment, à être beaucoup plus persuasif, ils vont arriver avec un faux projet, donc avec des croquis, avec une console qui utilise un écran couleur Citizen,
avec une architecture de technologique. Voilà, enfin, Monsieur Taki va être en charge de réaliser cette fausse Game Boy couleur avec un prix, un planning de développement, du temps que ça va demander, des prix, etc. Un truc assez sérieux qui soit crédible, quoi. Et donc, Monsieur Taki, lui, il était honnêtement, il était vénère. C'est-à-dire que moi, quand je lui ai posé la question, je fais, c'est vous qui avez fait ça ? Il fait, ouais, mais j'étais furieux parce que moi, je m'entendais très bien avec les gens de Citizen. Et normalement, c'est à Yokoi de se taper le sale boulot. Non, et c'est lui qui m'a envoyé à Tokyo pour aller présenter un fake, un faux projet, pour noyer le poisson. Parce qu'il se disait, il leur a dit, voilà, on revient l'année prochaine. C'est encore une fois repoussé. Et vous savez, au bout d'un moment, quand vous repoussez, vous avez compris. Ouais, c'est bon, on a compris, on laisse tomber le projet, quoi. Et c'était ça, sa mission. Donc lui, il était dégoûté parce qu'il était obligé de mentir à des gens avec qui il s'entendait bien. Et évidemment, au bout d'un an, Nintendo est pas retourné voir. Pourquoi ? Parce que de toute façon, je pense que Citizen, ils n'étaient pas idiots. Ils ont compris, ils avaient compris que Nintendo allait s'engager sur des millions d'écrans en noir et blanc. C'était pas pour sortir un an plus tard une console avec un écran couleur. Ceux qui connaissent un petit peu le marché du jeu vidéo savent très bien que c'est complètement absurde de faire ça parce que vous n'avez pas eu le temps de rentabiliser vos écrans noir et blanc, vous sortez déjà un nouveau modèle, ça se fait pas. Ça s'est jamais vu en fait dans l'histoire du jeu vidéo, quoi. Donc Citizen l'a bien compris et effectivement au bout d'un an, Nintendo n'ayant rien fait, Citizen n'a pas relancé Nintendo, ils ont lâché l'affaire. Voilà comment ils ont réussi à se prémunir des éventuelles rages de Nintendo. De Sharp, pardon, de Citizen, on va y arriver. Hop. Bon. Et donc on en arrive à la conclusion de toute cette histoire, parce que si je vous raconte tout ça, c'est bien pour une conclusion, bien sûr. Mais en réalité, et ça c'est assez fou, mais la Game Boy va sortir donc le 21 avril 1989. Et il s'est passé entre tout ce temps-là une bonne année. Entre le moment où Sharp devient le partenaire de Nintendo et au moment où la vraie Game Boy sort, il se passe un an. Donc au moment où la Game Boy sort, Citizen comprend que Nintendo ne reviendra pas. D'accord ? Et un an plus tard, un an après la Game Boy, donc au printemps, je ne sais plus la date exacte, va sortir la Game Gear. Moi je dis Game Gear, hein, c'est comme ça que disent les Japonais, vous pouvez dire Game Gear, ça ne me dérange pas. Mais... Et évidemment, au sein de Nintendo, quand il y a une console rivale qui sort, le premier truc qu'ils font, c'est qu'ils l'achètent, ils la démontent, ils regardent la technologie utilisée, etc. Et M. Taki me dit, ben, un an plus tard, sort la Game Gear, on l'achète, et c'est moi qui suis chargé de l'ouvrir. Et là, j'ouvre la Game Gear, le choc. Je vois un écran Citizen, un écran couleur Citizen. Puis je regarde un petit peu l'architecture, je démonte, je regarde la carte mère, etc. Et je vois le plan que j'avais fait quand je suis allé présenter mon fake chez Nintendo. Évidemment, le prix, c'est quasiment le même. La date de sortie bah, correspond un an plus tard au planning que j'avais fait. Et il trouve ça un peu énorme. Il fait, mais attends, mais c'est ma Game Boy, en gros. Alors moi, j'écoute ça et je me dis, mais vous êtes sûr, Monsieur Taki, quand même, parce que l'architecture est quand même différente. C'est une console Sega, c'est des jeux Sega qui tournent dessus. C'est pas le même processeur, c'est pas un processeur Sharp. Et il me dit, mais je lui dis, mais vous êtes en train de me dire que c'est vous qui avez fait quasiment la Game Gear. Mais il fait, dans les faits, non, bien entendu. Sega va avoir son propre processeur, ils vont l'adapter pour que ça fasse tourner, que ça ait la même puissance que la Master System, pour que ça puisse avoir des jeux facilement adaptables, etc., etc. Mais c'est quand même assez dingue que tout corresponde en fait à mon projet en réalité. Donc oui, le cœur, c'est Sega qui l'a fait, mais pourquoi c'est un écran Citizen ? Comment ça se fait ? Et il me dit, je suis persuadé et j'en aurai la confirmation que c'est mon projet qui a été adopté chez Sega par le biais de Citizen. Alors, quelle preuve il a en réalité ? Il a une preuve qui est juste de l'oral en réalité, mais l'année suivante, avec Nintendo, il va se rendre au CES. Le CES, hein, c'est l'équivalent du Tokyo Game Show, de l'E3, du Paris Game Show. Enfin bref, c'est un gros salon américain où tous les grands acteurs de l'électronique grand public sont là. Il y a Sega, il y a Nintendo, etc. Et il se rend au CES et il y a évidemment un stand Citizen, parce que Citizen faisait aussi des télés, des écrans, des machins. Et quand il se rend sur le stand Citizen, il voit des gens avec qui il a travaillé, avec qui il était en négociation, notamment un gars avec qui il s'entendait très très bien, c'était devenu un ami, et qui s'appelle Numajiri. Donc vous avez le nom dans mon bouquin d'ailleurs si vous voulez.
Et il va voir Monsieur Noumagiri. Il lui dit comment ça va, ça faisait longtemps, etc. Ça faisait plus d'un an qu'ils ne s'étaient pas vus. Et ils décident d'aller boire un coup le soir ensemble, entre Japonais, voilà. Et ils en profitent entre deux bières pour se faire leur petite confidence. Et Monsieur Taki, de Nintendo, lui dit « Mais Monsieur Noumagiri, je voudrais quand même vous poser une question, la Game Gear, là. J'ai ouvert, c'était un écran Citizen. Racontez-moi comment s'est fait la console. » Et là, Monsieur Noumagiri va lui dire, de façon un peu détournée, il fait « Vous savez, Monsieur Taki, quand vous nous avez planté, parce que là, on l'a vraiment senti comme un coup de poignard dans le dos, quand vous nous avez planté, on avait les boules. Mais on a joué le jeu. On a attendu pendant un an que vous veniez. Vous n'êtes pas venu. Donc, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait, nous, maintenant, avec ça, quoi ? Nintendo nous a planté, ils ont sorti leur Game Boy, ils ne reviendront pas. Et on s'est dit, vu qu'on avait réussi avec nos écrans, on était compétitifs, à séduire le numéro 1 du gaming à cette époque, qui était Nintendo, ben on s'est dit, on va peut-être pouvoir séduire le numéro 2, qui est Sega. Donc, on a été voir Sega, on leur a présenté nos écrans, leur disant, pourquoi vous ne feriez pas vous voyez, la Game Boy qui sort, ça cartonne, faites une Game Boy couleur. Donc, en réalité, c'est Citizen qui va enclencher chez Sega le déclic de sortir une console portable. Peut-être qu'ils avaient l'idée, hein, ça paraît très logique, mais c'est quand même Citizen qui va être le déclic. Et donc, lui, il va avoir la confirmation que c'est quand même le plantage de Nintendo qui va déclencher l'arrivée de la Game Gear un an plus tard. Bon, ça vous rappelle peut-être une autre histoire, hein. Il y en a qui ont une idée de quelle histoire ça rappelle ? La PlayStation, exactement. Donc, vous voyez, c'est même pas la première... Enfin, il y a eu des antécédents chez Nintendo. Il y en a plein d'histoires comme ça, en réalité. Donc, voilà, en réalité, comment... Alors, évidemment, ce serait un petit peu gros de dire que c'est Nintendo qui a fait la Game Gear, bien sûr. Mais cette histoire de Game Gear qui est finalement motivée par Citizen pour aller voir derrière et motiver Sega pour faire une console portable, c'est quand même assez dingue, quoi. Donc voilà ce que je pouvais vous raconter sur sur la Game Gear de Nintendo. Évidemment, c'est un titre un peu putaclic, mais c'est quand même assez parlant. Il y a d'autres anecdotes assez incroyables sur l'histoire de la Game Boy. C'est que au moment où la Game Boy est en cours de développement, elle va être pendant un temps totalement et définitivement, entre guillemets, annulée. Tout à l'heure, je vous parlais des rivalités avec la R&D 2, du fait que les gens... ne trouvait pas du tout ce projet suffisamment ambitieux et surtout viable. Et donc, et surtout, je pense qu'ils avaient peur que le jouet de Gunpei Yokoi marche tellement bien que la Famicom ait de l'ombre. Et surtout, il y avait la Super Famicom qui était en préparation. Voilà. Et donc, ils avaient peur que la Game Boy, en réalité, vienne vampiriser, vienne gêner les ventes de la Super Famicom qui était sur le point d'arriver normalement. Et donc, en réalité, au sein de la R&D 2, il va y avoir une espèce de cabale pour saboter le projet, et régulièrement ils vont aller voir le président Yamauchi pour parler du projet en disant, vous savez, le projet Game Boy, faudrait faire attention, hein, franchement, nous on n'y croit pas du tout, parce que Yamauchi, le président, lui, il n'y connaît rien en jeux vidéo, hein. Il joue, si c'est marrant, il dit oui, quoi. Mais c'est lui qui valide les projets, mine de rien. Et au bout d'un moment, quand la R&D 1 va arriver avec un écran et qu'ils vont présenter le projet à un prototype, du moins à Yamauchi, effectivement l'écran n'est pas terrible. Et Yamauchi va prendre le truc, il va dire « Mais on voit rien, on annule le projet. » Cette histoire, elle est connue, hein, elle a été révélée dans la biographie de Yokoi. Et à partir de là, Yamauchi prend une décision qui est radicale, c'est « On annule le projet. » Ce qui est absurde aussi, parce que ça fait déjà un an et demi, deux ans qu'il travaille sur le projet, c'est pas parce que l'écran est pas encore top qu'on annule, quoi. Si c'est juste un problème d'écran, bon bah on attend qu'il y ait un écran qui est un peu meilleur, on modifie encore un petit peu les réglages. Enfin, il trouve ça complètement... absurde. Mais quoi qu'il en soit, le projet est définitivement annulé. Il ne veut plus en entendre parler. Et là, la R&D 1 est totalement dégoûtée. Mais Yokoi et M. Taki, eux, ils sont... C'est les plus dégoûtés, bien sûr, mais ils restent à la tête de cette division. Donc, ils restent dans la division. Et pendant que tous les autres, en fait, bah, ils n'ont plus de boulot, là, le Game Boy, projet Game Boy étant annulé, ils vont là où on a besoin d'eux, dans d'autres divisions. Et en secret... Parce qu'ils se disent, je pense qu'on a quand même été en interne assez blackboulé, je pense. Ils vont continuer de travailler en secret sur le projet Game Boy, en sous-main, avec main dans la main, évidemment, avec Sharp, en attendant qu'ils aient un meilleur écran. Et ils vont tout faire pour que ça ne s'ébruite pas. Et à un moment, ça aussi, c'est une anecdote complètement folle, mais
à un moment, ils vont trouver l'écran qui convient à peu près. Bon, c'est l'écran qu'on va connaître in fine chez nous sur la Game Boy. Et ils trouvent un écran qui est plutôt pas mal, un prix qui est plutôt bon. Il y a la possibilité de régler la molette pour la latence, pour le contraste. Et ils décident de se dire, tiens, avec cet écran, peut-être qu'on peut y arriver. Et ils décident secrètement de reprendre rendez-vous avec Yamauchi et de lui dire, voilà, notre projet, pour la Game Boy, on a continué. Alors, ils se font passer un savon au début en disant, mais je vous avais dit d'arrêter, vous continuez de gaspiller de l'argent, rechercher le développement, alors que j'avais dit non. Et puis, au bout d'un moment, il regarde la machine, il fait, ouais, bon, c'est pas top top, mais après tout, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi ? Parce qu'en réalité, le projet Super Famicom n'avance pas du tout. Le projet Super Famicom, il est annoncé déjà dans les médias depuis longtemps et la console n'arrive toujours pas. Là, au moment où on est en 1987. Et comme vous le savez, la Super Famicom, elle est pratiquement déjà annoncée dans les médias, début 88. Et elle sortira qu'en 90. Donc il va se passer encore du temps avant que la Super Famicom sorte. Et Yamauchi, lui, il est furax. Pourquoi il est furax ? Parce que la Famicom continue de se vendre bien. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais la concurrence est féroce. La Mega Drive va arriver. Et il ne sait pas trop à quelle sauce ils vont être mangés. Et puis, il y a la PC Engine qui marche pas mal. Et qui est déjà sortie et qui fait des bonnes ventes, la PC Engine au Japon. Donc, il se dit, nous, on n'a rien derrière. Et à partir de là, il va annoncer à Yokoi, et ça, c'est complètement dingue, il va lui dire, bon, comme la Super Famicom, elle n'est pas encore là, elle n'est pas encore prête, elle n'est pas prête de sortir, OK pour votre projet Game Boy. Ça, c'est dingue, en fait, de se dire que la naissance de la Game Boy ne tient finalement qu'au retard de la Super Famicom. Moi, j'ai posé la question à M. Taki, il fait, mais vous pensez que si la Super Famicom avait été sortie dans les temps, est-ce que la Game Boy serait jamais sortie ? Il fait, oui, elle serait jamais sortie, ça c'est sûr, parce qu'il ne voulait pas en entendre parler. Et c'est uniquement comme bouche-trou pour faire patienter les gens avec la marque Nintendo entre la Famicom et la Super Famicom que la Game Boy va sortir. Donc ça, c'est dingue, en fait, parce que Nintendo, à cette époque, était devenue une société, un peu comme Apple, une société qu'on appelle monoproduit. C'est-à-dire qu'ils avaient un produit, une gamme de produits, et ils vivaient qu'avec ça, quoi. C'était leur produit phare et ils se faisaient connaître que par ça. Et Nintendo visait ça, en réalité. Et voilà comment est née la Game Boy, en fait, grâce au retard de la Famicom. Donc tout ça, c'est quand même assez ouf de se dire que la Game Boy est née parce que la Super Famicom était en retard. Voilà. Donc, bah, moi, j'en arrive à la fin de ma petite conférence. Comme vous le savez, elle sortira le 21 avril 89, il va s'en vendre plus de 200 millions. Et je pense que, effectivement, ce projet auquel quasiment personne ne croyait en interne, 200 millions de ventes, la naissance de licences complètement dingue, les Pokémon, ne serait-ce que ça, quoi. Il y a tellement de licences qui sont nées par le biais de la Game Boy. Tetris, évidemment, qui a. Enfin, voilà, tout le monde connaît la Game Boy, c'est une gamme qui a révolutionné. Au point, tiens, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais au même titre que le Walkman. D'ailleurs, le nom Game Boy, pour refaire un aparté, désolé, j'aurais dû en parler tout à l'heure, mais j'ai oublié d'en parler, mais le nom Game Boy, c'est aussi inspiré de Walkman. C'est-à-dire que Walkman, ça veut rien dire, mais si vous faites le rapprochement, Game Boy, Walkman, il y a un côté, il y a Boy, d'un autre côté, il y a Man, c'est un peu le même type de nom. Et ils se sont dit, ça a très très bien marché pour les Walkman, nous aussi, on peut prendre Game Boy. Voilà comment ils ont eu cette idée, et grand bien leur en a pris, puisque Walkman, qui veut rien dire non plus, dans les faits, ça a été un carton avec des centaines de millions d'exemplaires dans le monde entier, quoi. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir prêté votre attention pendant cette petite heure. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas, voilà, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Nintendo et des anecdotes, là, j'ai raconté en une heure ce qu'il y a en 200 pages sur le volume 4 de l'histoire de Nintendo. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, sur Internet, on peut le trouver encore. Ou alors les autres bouquins que j'ai écrits sur l'histoire de Nintendo. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, j'ai une question. Est-ce qu'il s'est passé le même phénomène pour le Virtual Boy ? Typiquement, ils étaient à la bourre avec la 64 et ils avaient ça dans les cartons et qu'ils le lancent en attendant la 64. Il y a eu de ça, oui. Il y a eu de ça. Je peux, c'est tout ce dont je peux te répondre, mais il y a eu de ça, ouais. Il n'y avait pas vraiment de Game Boy. Il y avait des projets de Game Boy couleur, tout ça, bien entendu. Mais ils ne se sentaient pas prêts pour ça. Les écrans, ils trouvaient qu'ils n'étaient pas encore assez performants et trop chers. Et donc, le projet Virtual Boy, ça a été effectivement un bouche-trou, raté pour le coup. Donc, il y a eu encore plus de fuites qu'avant. Mais il y a ça, ouais. La N64 a eu beaucoup de retard aussi, ouais.
Voilà. Pas d'autres questions ? Ah, si, je t'en prie. Merci d'abord pour cette conférence, c'était très intéressant. Je pensais justement la vue de la RN2 sur le fait que l'écran ne pouvait pas reproduire ce que proposait la Famicom, la couleur, tout ça. Est-ce que ça, tu penses que ça a influencé un peu la culture de l'entreprise dans le développement de ces futures consoles ? Le fait de ne pas être à la course à la puissance, mais choisir quelque chose d'assez efficace quoi, par rapport à ce qu'ils proposent. Ouais. Alors, c'est une très bonne question, parce qu'en réalité, on se rend compte qu'il y a au sein des deux R&D, deux philosophies totalement différentes. C'est-à-dire que d'un côté, il y a Gunpei Yokoi, lui, la course à la technologie, il n'en a rien à battre. C'est pour ça qu'il prend un écran noir et blanc, et qu'à la base, il voulait même faire juste une extension des Game & Watch. Lui, c'est un bricoleur, il le dit volontiers de lui-même, c'est un inventeur du dimanche. Il adore les gadgets, il adore les petits trucs qui sont fun. Alors que, à l'inverse, la R&D 2, c'est des maboules de la technologie. Eux, ils sont au contraire, il faut aller dans les trucs ultra technologiques. Et la R&D 2, ils ont lancé des projets complètement dingues. Hein. Je veux dire, le Satellaview, le Disk System, le Disk Writer, le Disk Fax, c'est des trucs qui sont d'un point de vue technologique assez maboules pour les années 80 en réalité. Et ils sont à fond dans cette course technologique. Donc c'est vraiment deux philosophies qui s'opposent. Et pendant un certain temps, c'est la R&D 2 qui va l'emporter. Et c'est une période durant laquelle Nintendo va un peu se perdre. Parce que l'ADN de Nintendo, ça a toujours été la R&D 1 en réalité. Pendant 120 ans, Nintendo a fait du casual gaming. C'est-à-dire, il n'y a pas plus casual qu'un jeu de cartes. Tu vois ? Il n'y a pas plus casual qu'un jeu de société. Et Nintendo a fait ça pendant 100 ans. Et en réalité, avec la Famicom, c'est la R&D 2 qui prend la main sur le business de Nintendo. Et la R&D 2 va imposer pendant 15 ans avec la Famicom, Super Famicom, N64, GameCube, sa vue. Et en réalité, quand Iwata va arriver au pouvoir chez Nintendo, il va se dire, mais l'ADN de Nintendo, c'est quoi ? C'est du jeu pour tous, c'est du casual gaming. Et là, on fait n'importe quoi. La GameCube, c'est un échec, relatif certes, mais tu regardes la Famicom, c'est 62 millions, je crois, d'exemplaires. La Super Famicom, c'est 39 millions. Après, c'est... En fait, plus tu avances, plus ils font des machines technologiquement développées, moins ils en vendent. Mais c'est ça. Et en fait, la Famicom, c'était une transition. C'était une transition, en réalité, entre la technologie et le casual gaming. Le nom Famicom, c'est Family Computer, c'est famille. Dedans, il y a le nom famille. Et plus on avance, c'est la Super Famicom, après la N64, et on oublie complètement la famille, on rentre dans la haute technologie. Mais comment tu veux rivaliser avec Sony, avec Microsoft ? Eux, ils ont toujours fait du high-tech, c'est leur philosophie d'entreprise. Alors que Nintendo, leur philosophie, c'est du Walt Disney ludique. Et donc, la philosophie d'entreprise, à partir d'Iwata, va complètement changer. Et ils vont faire la Wii, qui, elle, va reprendre à contre-courant complètement tout ce qu'avait fait Nintendo pendant 15 ans. Donc en réalité, c'est ça, c'est un truc que je me suis évertué à dire pendant longtemps et les gens le comprennent bien maintenant. Mais quand j'ai sorti le volume 1 de l'histoire de Nintendo, il y a des gens qui m'ont dit « Mais c'est vrai que moi, pendant les périodes de la Wii, j'ai trouvé que Nintendo nous avait trahis. » Je sais pas si vous vous souvenez, sur les forums, c'était le feu. Hein. Sur les forums, les gamers, ce qu'on appelait, c'était la naissance en fait des deux termes « hardcore gamer » et « casual gamer ». C'est arrivé à cette période. Pourquoi ? Parce que Nintendo faisait du casual gaming et ça avait déçu tout le monde. Et tout le monde disait « Nintendo nous a déçus, ils font du casual gaming, c'est de la merde, etc. » En réalité, ce qui est drôle, c'est que chez nous, en Occident, on a ressenti une trahison, alors qu'au Japon, au contraire, quand la Wii est sortie, tout le monde a dit « Ah, enfin le Nintendo qu'on a toujours connu qui revient !» C'était deux choses complètement différentes. Et donc Nintendo s'est perdu pendant 15 ans dans une course technologique, alors que leur ADN, ça a toujours été la Wii, en fait. Voilà. Donc la culture d'entreprise, oui, elle s'est forgée petit à petit, mais c'est Gunpei Yokoi, la culture d'entreprise de Nintendo. Quoi. C'est pas Uemura, en fait. Même si aujourd'hui, effectivement, on connaît Nintendo par le biais des créations d'Uemura, en réalité. Hein. C'est la NES, c'est la Super NES, bon, la Game Boy aussi, bien sûr, mais voilà. Qu'est-ce qui explique, en fait, que la Super Famicom et la Game Boy ont un phénomène de jaunissement, vu que les deux équipes de développement ne se partageaient pas les informations concernant les composants, fabricants de composants? Je comprends pas. Il y a le jeu Expand ? Non, le jaunissement du plastique, ouais. Le jaunissement ? Ouais, le jaunissement du plastique, quoi. Désolé. Non, je t'en prie. Alors, cette histoire de jaunissement, je pense que c'est juste une question d'usinage, en fait.
Si tu veux que ce soit la RND 1, RND 2, RND 3, les usines, elles s'en foutent. Hein. C'est-à-dire que le plastique, une fois que tu commandes ton plastique, le fabricant de plastique, c'est le même pour toutes les machines. Mais c'est une question de philosophie. À l'intérieur des machines, ce n'est pas les mêmes composants, ce n'est pas les mêmes équipes, ce n'est pas la même philosophie. Mais il y a plein de petits trucs qui sont rigolos. Mais une fois que les machines sont prêtes, les usines, c'est la même pour tout le monde, en fait. Mais il y a des tas de choses qui sont rigolotes, en fait, dans cette histoire de Game Boy. Mais il y a une anecdote, moi, que j'aime bien, c'est que Gunpei Yokoi et Uemura, ils étaient frères ennemis. Au début, ils s'entendent bien, ils ont travaillé longtemps ensemble, mais ils sont devenus frères ennemis. Et Yokoi, lui, il refusait que ce soit une Famicom portable. Hein. C'était sa philosophie, on en a parlé au début. Okada, lui, il n'avait aucun problème. Ses petites guéguerres intestines, il n'en avait rien à faire. Et il voulait que ce soit une Famicom portable. Mais Uemura ne voulait pas non plus que ce soit une Famicom portable, hein, on l'a vu. Et donc, il y a eu plein de petits détails qui sont assez rigolos. Mais vous savez, au Japon, les cartouches Famicom, on les appelle des cassettes. On appelle ça des Famicom cassettes. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les cartouches Game Boy, ils appellent ça des cartridges. Ben c'est uniquement que j'ai demandé, moi, pourquoi vous appelez ça pas, vous n'avez pas appelé ça des cassettes Game Boy. C'est parce que Yokoi, il voulait aucun rapport avec la Famicom. Il voulait pas que ça soit des cassettes au même titre que des cassettes Famicom. Donc il a trouvé un autre nom pour se démarquer. Tellement il voulait pas que ce soit lié à la Famicom, quoi. Donc il y a plein de petits détails qui font comme ça qu'il voulait vraiment s'éloigner de la Famicom et qu'il n'ait rien à voir, et rien, aucun compte à rendre. Il ne voulait pas qu'on dise « Ouais, votre Game Boy, si ça s'est vendu, c'est parce qu'il y a eu le succès de la Famicom. » Non, non, il voulait que ce soit son succès de sa R&D 1 et il ne voulait rien devoir à quelqu'un d'autre, quoi. Donc il y a beaucoup de fierté mal placée là-dedans, hein, malgré tout, mais c'est assez flagrant, quoi. C'est assez rigolo de voir toutes ces petites différences. Ouais. Voilà. Ok. Bon, ben merci à tous.